Bonjour à tous, ici Richard Saint-Pierre, président de C2. Nous sommes actuellement à Mouvenan, le sommet mondial sur euh, la, mobi euh, la mobilité durable. Pardon. Je suis joint aujourd'hui par Carlo Porrasanta, président Bonjour. de Microsoft France. Bienvenue Bonjour. à Mouvenan. Merci beaucoup. C'est un honneur de vous avoir. Merci d'avoir traversé l'Atlantique. Euh, tout d'abord, comme question Microsoft, mobilité durable, euh, les transports, euh, l'association n'est pas nécessairement naturelle. Donc, pouvez-vous nous expliquer pourquoi être ici aujourd'hui Oui, alors c'est relativement simple. En fait, on parle beaucoup, on entend beaucoup parler de euh, l'importance de la donnée dans la création de valeur euh, économique. Euh, mais ce n'est pas seulement une question de création de valeur économique, c'est une question de création d'opportunités pour les gens, pour euh, plein de briques de notre vie qui vont changer parce que les données vont créer ces intelligences numériques. On parle d'intelligence artificielle, mais ce n'est pas forcément un, un bon adjectif artificiel, parce que ça semble toujours en opposition par rapport à l'humain. Donc simplement, moi, je les appellerai les intelligences au pluriel numériques, au pluriel. En fait, c'est des services que les, les ordinateurs peuvent et doivent rendre à l'humain. Donc comment euh, est-ce que je peux mieux apprendre mon état de santé, par exemple Comment est-ce que je peux manger des choses qui me font du bien euh, Comment est-ce que je peux organiser ma journée Comment est-ce que je peux au travail produire plus facilement ce que je dois produire pour que je puisse passer du temps sur des choses qui sont euh, intéressantes dans mon travail ou intéressantes dans ma vie privée Et comment je bouge En fait, c'est une des équations les plus importantes à résoudre. Euh, on passe tous du temps dans un véhicule. Sans forcément la valeur ajoutée nécessaire ou pouvoir faire les choses qui sont importantes pour nous. Euh, on y passe peut-être trop de temps. Euh, Ce n'est pas forcément respectueux de la planète. Enfin, on connaît toutes les problématiques de la mobilité. Donc pourquoi passer du temps dans un, dans un véhicule que j'utilise 6% de sa vie euh, pour être dans un bouchon pendant des heures Bon, c'est une équation à résoudre. Et quand il y a une équation à résoudre, Microsoft arrive avec potentiellement des solutions. On n'est pas les seuls et on ne dit pas qu'on a des solutions à tout, mais on a les briques technologiques pour permettre à tous les opérateurs hein, que nous voyons ici, donc ceux qui construisent des voitures, ceux qui construisent des trains, ceux qui opèrent des services de mobilité, ben en fait, chacun d'eux a amélioré leurs produits et leurs services, mais aussi, et je dirais surtout, on peut être un catalyseur, parce qu'on travaille avec chacun d'eux, in fine on peut être un catalyseur pour que il travaille mieux en écosystème. En tant que citoyen, demain, je vais pouvoir euh, commencer une expérience, quelle qu'elle soit, euh, dans un moyen de transport, par exemple travailler ou jouer ou bah, voir un film. Euh, mais je sais que le parcours que je vais faire n'est pas seulement dans un avion, il sera dans un avion, puis dans un bus, puis dans un train, puis dans, un vo dans une voiture, par exemple. Et j'ai six heures en tout. Donc pendant ces six heures, bah, L'expérience, je veux qu'elle me suive et que corresponde à mon besoin, indépendamment du véhicule que je prends. Donc, ce n'est pas seulement l'innovation qu'on peut faire avec chacun des grands opérateurs, mais c'est aussi l'innovation qu'on peut suggérer et faire en écosystème pour que ça corresponde aux besoins bah, de l'utilisateur final. Donc, voilà, on peut imaginer une, une mobilité sans couture et du coup, euh, des opérateurs qui se mettent d'accord sur comment utiliser les moyens technologiques, les données pour pouvoir fournir un service intelligent euh, qui accompagne la personne qui doit voyager. Vous abordez en fait deux axes, euh, l'axe des acteurs de la mobilité, ceux qui mm. construisent les choses, et les utilisateurs, le citoyen qui va être derrière sa voiture, qui va être le passager dans l'avion, etc. Peut-être commencer par le premier axe. Euh, Construire une voiture, il y a quelques décennies, c'était bel et bien d'avoir un châssis, un moteur et, euh, bon, ça fonctionnait à l'essence. et C'était à peu près l'ensemble de l'équation voiture. Mm. Aujourd'hui, on voit que la technologie embarquée, la connectivité, les voitures entre elles, euh, la donne a complètement changé. Mm. Il y a toute une série d'acteurs de l'écosystème de mobilité qui sont nécessaires pour construire une voiture aujourd'hui. Bien sûr. Comment on fait que ces gens-là, les, les données dont vous parlez, se partagent entre ces acteurs-là et que ça fonctionne au, alors déjà, ce que nous sommes en train de dire et de vivre sur la mobilité, c'est pas unique à cette industrie. En fait, c'est pour la première fois dans l'histoire, on a des technologies qui sont transverses à toute industrie. Il n'y a pas une industrie dans le monde, de l'agriculture à la santé, en passant par tout ce qu'on a décrit, donc l'énergie euh, et la mobilité d'un point de vue de la construction de véhicules. Toutes les industries passent par ce nouveau paradigme. Avant, c'était des gens, des machines et des capitaux. Aujourd'hui, c'est des gens, toujours, hein, des gens d'abord, des machines, des capitaux et des données, dans tout ce qu'on fait. Alors, c'est des données qui sont dans le produit et c'est des données aussi qui aident à l'optimisation de la construction du produit. Donc, tout processus à l'intérieur d'une organisation peut et doit donc être reconçu mmh. grâce à, à la donnée pour que... Euh, voilà, pour que le produit soit plus efficace à la sortie. Donc il y, y a une transformation effectivement fondamentale de comment on arrive à cette construction. Beaucoup de données, effectivement, ne sont pas à l'intérieur de l'entreprise, mais sont aussi à l'extérieur. Donc je pense que, et ça c'est aussi quelque chose sur lequel on aide pas mal nos clients, la première chose c'est aider une organisation à devenir déjà une organisation digitale, c'est-à-dire avoir des collaborateurs de l'ensemble de l'entreprise, pas seulement un quelqu'un qui s'occupe de RD dans un laboratoire, ce n'est plus suffisant. Il faut que la culture digitale, euh, par osmose, arrive à tous les collaborateurs d'une entreprise. C'est comme ça que l'entreprise devient une entreprise du nouveau monde, prête à, aux défis du futur. Euh, et une fois qu'on a une, une entreprise digitale qui collabore, qui invente ensemble à l'intérieur de l'entreprise et à l'extérieur avec les bons réflexes, après derrière, il y a la maîtrise de la donnée. Il euh, y avait une étude qui était euh, pour moi passionnante, qui est sortie euh, déjà il y a quelques années, et qui disait que non seulement le, les top compagnies qui utilisent bien la donnée, quand on regarde les volumes et la qualité de ce qu'ils font à, sur la donnée, non seulement il y a des effets sur le profit and loss de l'entreprise. Donc ceux qui utilisent bien la donnée sont plus profitables, font plus de croissance, etc. Donc équation économique connue. Mais ce n'était pas ça qui était frappant. C'était surtout que ceux qui étaient. Dans le top quartile, donc le top 25%, en fait, ces entreprises-là manipulaient au quotidien 40 à 50 fois plus de données que le bottom quartile, c'est-à-dire le, les 25% qui utilisaient moins bien la donnée. Donc, ce n'est pas seulement le comment ou le combien, mais c'est combien de données ils utilisaient. Donc, ça veut dire quelque part création ou pas d'avantages compétitifs qui est soutenable pour le futur. Et donc, au-delà de construire une organisation digitale, c'est aussi avoir la maîtrise de ces fameuses données. Est-ce que je suis en prise avec les données de l'entreprise et les, les, les données que j'ai à l'extérieur Comment est-ce que j'utilise toutes les données à disposition, les miennes, celles des autres, celles des États, celles des, des citoyens, bien sûr avec des respects des règles, et comment je peux aller créer des nouvelles données, soit en mettant des capteurs dans, dans, les, dans les produits que je construis, soit en posant des questions ou en demandant à ceux qui peuvent me donner les données. Donc toute cette culture de la donnée bah, est à construire. Chaque entreprise, chaque organisation doit se poser la question est-ce que les personnes sont prêtes, mes personnes Et une fois qu'elles sont prêtes, est-ce que je suis en train de faire, est-ce que j'ai les bons réflexes pour devenir une entreprise qui maîtrise la donnée Et là, et là, on, nous, on peut apporter non seulement les bris technologiques, mais on peut apporter aussi l'éducation le, le, bah, quelque part euh, sur qu'est-ce que ça veut dire que. Ben, ajouter la donnée dans la création de valeur d'une entreprise. Mais euh, la sous-question, et là je ne parle pas des données privées des personnes, mais il y a un système de censeur sur les freins d'une voiture. La donnée, elle appartient à celui qui a fabriqué le frein, au constructeur de voiture, ou à celui qui gère les données. Et de l'autre côté, c'est peut-être tout le monde, mais ça va jusqu'à la propriété intellectuelle du processus qui génère la donnée. Bien sûr. Ça, c'est un très, très bon et très grand débat. Tout n'est pas résolu, mais c'est pour ça que les bon, équations sont. <laughs> Mais euh, bah nous, par exemple, on a développé pour, pour Microsoft un certain nombre de, de capacités pour contractualiser avec un client justement l'ownership de la donnée. C'est très important. Nous, par exemple, on a un parti pris quand on travaille euh, sur des intelligences numériques avec un client, le cloud, etc. Nous ne souhaitons pas être dans un, quelque part dans un conflit d'intérêts qui est de dire on développe quelque chose, mais un jour on peut être aussi un compétiteur de notre client. Donc on, on veut absolument respecter un modèle sur lequel le business model de notre client... Est-ce qui compte? Et donc, nous voulons être un fournisseur et nous ne voulons pas utiliser ces données pour mmh. en même temps développer notre propre capacité à faire des choses. Donc, ça, c'est notre parti pris. Ça ne veut pas dire que c'est le seul possible, mais c'est notre parti pris. Donc, je pense qu'au fur et à mesure, il va falloir aller plus en profondeur, pas seulement nous, mais l'écosystème en général, eh ben, de savoir à qui appartiennent les données. Non seulement entre opérateurs ou entre fournisseurs de technologies et clients final, mais y compris avec le citoyen. Quand je suis utilisateur d'un service, bah, en fait, la donnée que je produis en utilisant la service, elle, a, elle appartient à qui euh, Aujourd'hui, quand on lit bien les termes et conditions d'un service, on s'aperçoit souvent que la donnée que j'ai produite moi-même en tant qu'utilisateur ne m'appartient plus. Les États, les policy makers, comme on dit, sont en train de se rendre compte bah, qu'il y a un certain nombre de, de monopoles, de nouveaux monopoles qui sont en train de se créer. Et les nouveaux monopoles, ce n'est pas une question de prix d'un produit ou de euh, part de marché d'un produit. Les nouveaux monopoles, c'est la donnée, justement. Et je pense que tout ça va bouger dans le temps et que les citoyens vont mieux comprendre les services qu'ils utilisent et ils vont être donc beaucoup plus exigeants euh, dans la transparence et dans la confiance que je souhaite avoir pour celui qui me fournit ce service. Donc que ce soit un constructeur automobile ou un réseau social ou euh, un, un autre service digital, ben je veux comprendre quels sont les termes et conditions d'utilisation, à qui sont les données, qu'est-ce que tu en fais, pourquoi, euh, qui est propriétaire, euh, où va la valeur. Et donc je pense qu'il y a un rééquilibrage dans la valeur qui est produite par ces données entre les opérateurs économiques qui produisent l'innovation et qui fournissent un service et les citoyens qui doivent se réapproprier quelque part d'une partie de l'équation. Oui, ben, il ne faut pas se le cacher. Euh, ceux qui nous écoutent et les citoyens, euh, évidemment, ils se posent des questions. Il y a une grande sensibilité à l'appartenance des données, le respect de la vie privée, etc. Comment, comment on retrouve cette confiance-là? Parce que de dire qu'on est transparent... Il y, a, il, y a, il y a un scepticisme qui dit on va avoir des politiques, on va avoir des lois, on va, et, et elles se mettent en place. On le ouais. voit en Europe, on le voit ouais, en Amérique du Nord, ouais, ouais. mais le, le cynisme de où est-ce que ça termine, il est difficile à contrecarrer à l'heure actuelle. C'est quoi le, le Alors, roadmap Vous savez, la, la réalité, c'est que la loi suit toujours le problème. Mm -hmm. Ça, c'est une loi fondamentale. Donc à partir du moment où on a construit des véhicules, et qu'un certain moment il, ben, il, il se cognait dans un croisement de rue, ben, on a défini des règles du jeu comme quoi quelqu'un qui vient de droite a, la, a une préférence par rapport à celui qui vient de gauche. Bon, donc la loi suit le problème toujours. C'est vrai aussi dans la technologie. Mm -hmm. Donc les règles du jeu sur la bonne utilisation de la donnée, et eh ben en fait va suivre le problème qui est bah, où est la donnée qui la respecte et qui ne la respecte pas Donc, quelque part, ce que je veux dire, c'est un peu normal. Quelle est la bonne nouvelle dans tout ça La bonne nouvelle, c'est que jamais le débat a été aussi intense et aussi pointu sur la compréhension de l'importance de la donnée et de la privacy, par exemple. De Donc, bah, l'Europe a fait le GDPR. Nous, par exemple, on a dit que bah, c'est une très bonne idée, mais pas seulement pour l'Europe. En fait, on, on, tout de suite, on l'a appliqué à tous les services qu'on fait partout dans le monde. Donc, jamais le débat a été aussi intense. Aujourd'hui, il y a l'OCDE le, le qui travaille sur les principes de la bonne utilisation de l'intelligence artificielle. Il y a cette semaine, World Economic Forum, il y a un, un format de travail aussi pour définir des principes. Il y a des États qui se posent des questions. Il euh, y a des entreprises qui, bah, nous-mêmes, on a développé par exemple un consortium avec les grands de la tech pour dire, ben, mettons-nous d'accord sur quels sont les principes sur lesquels on travaille. Donc, euh, ce n'est pas seulement Microsoft, c'est Microsoft avec Apple, avec euh, Facebook, euh, Amazon, Google, IBM. Voilà. Donc, je pense qu'il y a une multiplication d'initiatives à niveau privé, public et d'associations pour dire, il faut établir des règles. Et il faut, il faut établir des règles parce que les enjeux sont importants. Et donc, euh, il faut que le, les réponses soient à la hauteur des enjeux. Oui, parce que vous l'avez dit vous-même, les, les lois arrivent en fait compte à posteriori. Ce sera ma dernière question. Euh, parce que quand on regarde une voiture autonome, il y en a même plusieurs, il y a même un bus autonome derrière nous. Euh, le responsable lors d'un accident, c'est la personne qui était théoriquement sur le volant ou la personne qui a, qui a créé l'algorithme qui fait que la voiture avance. Euh, C'est quand même un débat euh, qui n'est pas résolu. Euh, et est-ce que vous croyez que les règles que l'on est capable d'établir aujourd'hui pourront prévenir ou essayer de définir comment la compagnie d'assurance va réagir, euh, comment le conducteur est-il responsable ou pas Et on le voit déjà dans des euh, dans des trucs un peu médiatiques que l'on voit mmh. partout. Vous... Oui, en plus là, vous, vous touchez un élément qui est très très particulier parce que quand on parle d'intelligence artificielle ou d'intelligence numérique, en fait, il faut considérer, il faut comprendre qu'il y a euh, une vingtaine de disciplines, et dans chaque discipline, il y a des sous-chapitres. Donc, quand on dit on apprend à un ordinateur à comprendre un contexte visuellement, en fait, dedans, il y a plein de choses. Et donc, computer vision, ouais. c'est une science, et il y a beaucoup de sous-chapitres. Et donc, petit à petit, les ordinateurs, le, le cloud devient intelligent sur un vertical, on, on arrive à la parité sur un domaine spécifique. On est encore loin d'avoir une machine qui est vraiment comme une intelligence humaine. Il faut bien se rendre compte de ça. On est en train de parler de 30 à 40 ans pour pouvoir peut-être arriver un jour à, à, à quelque chose qui soit complet parce que l'intelligence humaine est fantastique. Il y a notre cerveau est d'une complexité, d'une beauté de fonctionnement qui est parfois encore inexplicable. Pourquoi je dis ça Parce que la, la decision making, la prise de décision, est la chose la plus compliquée, la plus compliquée à apprendre à l'ordinateur. Parce que ce n'est pas une question de calcul. Sur le calcul, un ordinateur va déjà plus vite que de nous depuis des années, depuis des dizaines d'années. Mais la prise de décision, ce n'est pas seulement un calcul, c'est un calcul avec de l'éthique, avec des valeurs. Et qui, qui définit quelles sont les valeurs Si quelqu'un doit mourir dans un accident de voiture, euh, qui décide Qui est prioritaire C'est très compliqué. Donc, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que la technologie, bien sûr, ça va vite, mais l'application de la technologie dans ces équations a un parcours. Donc on apprend dans le parcours et il faudra juste que le, la, la capacité à légiférer ou à donner des règles ou des principes pour le jeu soit dans un maximum de débats transparent, de travail euh, et justement de résoudre l'équation avant que ça devienne massif dans l'utilisation. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un forum comme Movinon parce que du coup c'est un, un endroit où en trois jours on compare les idées, on se met, il ben, y a une confrontation positive d'idées et du coup on sort tous avec une meilleure compréhension de ce qu'on doit faire et petit à petit ça va accompagner le mouvement de l'innovation pour qu'elle soit encore une fois respectueuse bah, des valeurs des femmes et des hommes parce qu'on veut vivre dans un monde qu'on souhaite et pas dans un monde qui soit décidé par on ne sait pas qui peut-être par un ordinateur Monsieur Purasanta, merci beaucoup parce merci que beaucoup. je vous laisse sur un message quand même d'optimisme. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Ça nous donne une, un peu une voix sur ce qui est à faire. Gros défi, mais quand même beaucoup très optimiste. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.